Pourquoi tu ne connais pas l'homme là ? Ils sont poètes, rappeurs, danseurs ou acteurs, professionnels ou amateurs. Ils viennent du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Syrie, de Palestine ou de Libye. Tous réfugiés, ils se sont investis avec bonheur dans un concours de talent organisé par le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR, au Maroc. Pour ce concours intitulé « Refugees Got Talent », en français, les réfugiés ont du talent, tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes devant les quatre juges chargés de sélectionner les finalistes. Moi, parce que moi, ça m'amène de la joie au cœur, de prester, que les gens apprécient ce que je fais. Abir a interprété avec émotion une chanson de la diva égyptienne Oum Kalthoum, accompagnée par un virtuose marocain du Oud. Cette Syrienne, qui a fui la répression du régime avec son mari et ses trois enfants, vit depuis 5 ans à Tanger, au nord du pays. La raison principale de ma participation est la représentation des réfugiés syriens dans le royaume du Maroc et la situation des réfugiés syriens dans les pays arabes et dans le monde. Comme elle, tous les lauréats ont été récompensés par un bon d'achat de supermarché d'une centaine d'euros. La compétition était ouverte à tous les réfugiés enregistrés dans le royaume, soit un peu plus de 5000 personnes originaires de 38 pays. Un chiffre qui a bondi de 300% en 3 ans, du fait notamment de la fermeture des frontières européennes.